En 1982, nous tenons une réindustrialisation massive dans le pays. Ça veut dire où commence qu'il y a zone France, où commence qu'il y a du thé, où commence qu'il y a textile, où commence qu'il y a canne. Pays là, tu peux amener revenu comme ça. Depuis des hauts, nous prenons cash, nous amène dans Maurice, nous amène dans Maurice, nous amène dans Maurice. À partir de 2000, à peu près 2005, par là, il commence à stopper parce qu'il fait nous n'est plus compétitif au niveau international. Absolument. Mais ça va là, nous venons d'un modèle que nous, comment dire, taxa, nous prenons taxa et nous servir. Nous venons dans un modèle là. En 2014, 2015, sorry, nous venons d'un modèle que nous disons, ok, maintenant c'est de façon qui est capable de faire au pays grandir. Et même qui fait artificiel et même qui fait naturel. Naturel, c'est qu'il fait d'une façon que ou produire ou exporter. Il y a même une casse. Deuxième façon qu'il est capable de faire, c'est qu'il ou roupie, aujourd'hui, il équivaut 32 roupies qui était en 2014. Un dollar, 32 roupies en 2014. Aujourd'hui, en 2019, un dollar, il vient 47 roupies. Maurice, nos roupies, il perdit 51% de ce valeur jusqu'à 2014. Ça veut dire que c'est une roupie qui vaut un roupie, aujourd'hui, il vaut 50 sous. En 10 ans. En 10 ans. Singapour, par rapport à de l'or, il perdit 7% seulement. 7 sous. 7 sous. Les Seychelles, qui peinent produits productifs, ils peinent à n'en pour produire. Ils n'en sont pas les touristes, c'est sur celle source de revenus. Pourtant, il y a même des touristes, ils perdent 11%. Ce qui apporte que l'Union Maurice rentre au pouvoir, mais il y a un seul travail qu'ils ont fait, c'est produire et produire et produire. Qui peut produire? Nina Maurice fin présente un dossier qui s'appelle le chanvre. Nous avons une réindustrialisation dans le pays. Ça veut dire le chanvre. Moi, je peux vous expliquer un petit minuto là. Qui était ça? C'est un produit, un cannabis industriel. Bon, il y a du monde qui a un cannabis, ça. Bon, mais pas être à cas, même si tu filmes un camion, je ne vais pas gagner ça au lit. Donc, c'est un produit qui est capable de faire plus de 1000 by-products avec. Ou capable de faire plastique, ou capable de faire le coton. Matière pour faire linge, ou capable de servir pour faire pétrole, ou capable de servir pour faire d'autres choses encore. À nous dire, les premières affaires, ils remplacent plastique. Nous importons presque 2,5% de plastique du PIB, du plastique dans Maurice. Mais si mon récit produit plastique, qui m'ont importé, qui m'ont sauvé? Mon sauvé, ça 2,5% là. Si ça m'est un industriel qui finit de quitter Maurice aujourd'hui, parce qu'il coton c'est, parce qu'il n'a pas payé de l'or, parce qu'il peine politique pas bon dans Maurice. Donc, si on redresse tout ça là, on peut donner coton, on peut peine à pas importer, il fait les local. Quand il vous venez, il revient dans le pays. Et quand il vient dans le pays, qu'il fait? Il emploie du monde dans le pays. Ça n'a pas gagné la vie. Taxi gagne la vie. Mansour Alim gagne la vie. Tout le monde autour gagne la vie. Tout le monde gagne la vie. Super Monsieur gagne la vie. Tout. Mais que nous pouvons dire, ce pays-là, il n'y a pas mettre à mort, parce que ce pays-là, il y a une switch off, il y a la case. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.